Salut les pilotes et bienvenue sur la chaîne Fractal FPV. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation du R65 en version champion de Beta FPV. Le nouveau petit Tiny Whoop en version série limitée à 1000 exemplaires du Super R65. La série R chez Beta FPV, c'est une série qui est destinée à faire des Tiny Whoop hyper légers mais également puissant avec des fonctionnalités modernes à l'intérieur. Cette vidéo sera en plusieurs parties. On va faire le déballage ensemble, l'unboxing. On va faire la mise en route, une partie plutôt destinée aux débutants. Je vais également faire quelques vols avec, vous donner mon ressenti en vol. Je vais sûrement la tourner sur plusieurs jours pour pouvoir faire des tests à la fois en intérieur et en extérieur, pour vraiment vous donner mon ressenti le plus complet possible. Dans cette vidéo, je vais pas uniquement parler du R65 champion, je vais aussi vous parler des deux autres versions, la version freestyle et la version racing du R65. Mais on va tout de suite passer à la première partie de cette vidéo, l'unboxing du R65 champion. Allez, c'est parti! Le R65 vous sera livré dans le packaging classique de la gamme R, un packaging très sympa avec la typographie de la gamme R. À l'arrière, vous retrouvez quelques instructions. On voit comment j'ai la version R65 brushless Whoop quadcopter en version champion et en ELRS 2.4. Dans la boîte, on retrouve une mousse de protection. Il nous est livré avec un jeu d'hélice supplémentaire de chez Gemfan. On retrouve également un sachet avec quelques accessoires. On va en parler juste après. Une air canopée supplémentaire. En couleur Dark Grey. C'est la couleur spécifique à la version Champion. Et bien sûr, le Tiny Whoop R65 version Champion. Il est livré dans sa couleur Dark Grey. Comme je vous disais précédemment, spécifique à la version Champion. Il est disponible dans un autre coloris pour les autres versions. Et comme d'habitude... Chez Beta FPV, au fond de la boîte, vous retrouverez le QR code qui permet de passer vos ordres d'achat ou d'accéder au support au site de Beta FPV. Le contenu est sommaire, c'est ce qu'on retrouve classiquement dans la série R, la version champion. Il n'y a pas de contenu supplémentaire. Pour rester dans le contenu, donc dans le sachet, vous retrouverez le hub de connexion. Ce hub vous permet, en le branchant directement au hoop, de le connecter à Betaflight Flight et d'avoir accès aux fonctionnalités. Du quad. Attention de ne pas le perdre. Également dans le sachet, nous avons des vis. Alors vous voyez, c'est des vis un petit peu spéciales. On appelle cette matière PIC. C'est un plastique ultra léger, mais qui a des caractéristiques de résistance au cisaillement. Et le polydrone est donné avec ces vis. Donc nous, on va le peser pour voir combien il fait. Là, actuellement, il y a des vis classiques en acier pour atteindre le poids minimal il faudra remplacer ces vis par les vis pic. On va se concentrer un petit peu plus sur les caractéristiques du R65 en version Champion. Je vais aussi vous donner les caractéristiques des deux autres versions. Le R65 déjà, c'est un Tiny donc de 65 mm d'empattement. C'est un tout petit Tiny vous voyez dans ma main, il est tout petit, ce qu'on retrouve de commun sur tous les R65. Ça va être déjà la canopy, ils appellent ça la R canopy. L'air canopie qui fait seulement 1 gramme. Ma balance n'est même pas assez sensible pour la détecter. Elle est disponible en différents coloris. Donc ça vous le retrouvez sur tous les R65. Ce que vous retrouverez également sur tous les R65, donc c'est le châssis, le cadre du R65. Un cadre ultra léger, développé spécifiquement pour ce quad. Ils ont vraiment misé sur la légèreté. C'est une résine thermoplastique qui permet la déformation sans casser. Par contre, bien sûr, attention à force de prendre des chocs, ce n'est pas incassable. Mais cette résine thermoplastique permet à la fois la légèreté, la résistance à la déchirure et à l'abrasion. Les deux autres choses que vous retrouverez sur toutes les versions DR65, c'est la caméra. La caméra C03 de bêta FPV. C'est la caméra maintenant qui monte sur tout leur Tiny Whoop. Elle est de plutôt bonne qualité. Et la PicTail, également commun. La PicTail c'est des connecteurs en BT 2.0. Le BT 2.0 s'adapte à leurs batteries. Les batteries conseillées pour le R65, c'est soit du 260 mH en 1s, SentinyWhoop 1s, soit du 300 mH comme ici. Les batteries, c'est des LIHV en taux de décharge de 75C. Ce que vous retrouverez donc de commun sur tous les R65, c'est le châssis, la caméra, la pigtail. Maintenant, la grosse différence sur le champion. Déjà, le coloris. Le champion, la version champion du R65 a un coloris dark ray spécifique. La deuxième grosse différence, ça va être les moteurs. On est sur la même taille de moteur sur les trois versions, c'est du 07-02, sauf qu'ici, ils sont en 30 000 kV. Et ces moteurs disposent de deux roulements par moteur. Ils offrent une augmentation de rapport poids poussé de 33% et une augmentation de l'efficacité de propulsion de 12%. Sur les autres versions de R65, vous retrouverez. La même taille de moteur, mais c'est des 0.702 type SE. En 27 000 kV sur la version course. Et sur la version freestyle, vous retrouverez du 23 000 kV. Pour rester sur la propulsion, les hélices sont également différentes. Sur la version champion, on est sur des Genfam en 12-19. Sur la version de course, c'est les mêmes. C'est des Genfam en 12-19 en version 3 pales. Et sur la version... Freestyle, vous retrouverez des HQ en 31 mm. La troisième grosse différence de ces versions, c'est l'IO embarqué. L'IO, ça reste à quelque chose près la même. C'est leur nouveau contrôleur de vol qu'ils appellent Air Brushless Fly Controller, mais il existe dans une version 4 en 1 et une version 5 en 1. La différence, c'est que la version 5 en 1, en plus d'embarquer le VTX, les ESC et l'AFC, il embarque également le RX, le récepteur du quad. Sur la version champion, vous retrouverez donc le contrôleur en version 5 en 1. Le RX est directement embarqué dans l'IO. Sur les deux autres versions, Freestyle et Racing, vous retrouverez le contrôleur de vol 4 en 1. Et vous aurez le RX branché en série que vous retrouverez ici entre la canopy et l'IO. Parlons un peu plus de ce Fly Controller, que ce soit le 5 en 1 ou le 81. Ils embarquent des processeurs en G4, des STM32G473. Ils sont équipés tous les deux de gyroscopes ICM42688P à 6 axes. Ils embarquent également une mémoire, une black box de 16 Mo, un capteur de tension de courant, un 5V 3A, un port USB mais déporté grâce au petit raccord qui vous est fourni dans le petit sachet. Un VTX directement embarqué, on voit d'ailleurs l'antenne qui se prend ici et sur cette version il y a un petit peu de, de pâte pour retenir le câble d'antenne. Je, je me plaignais d'ailleurs sur le R75 que l'antenne était un petit peu trop exposée. Donc au moins sur le R65 ils ont mis un petit peu de pâte pour sécuriser cette prise. Ça c'est un bon point. Mais revenons à notre contrôleur de vol. Donc il embarque un VTX. Ultra puissant pour la taille de ces fly controllers, il va de 25 mW à 400 mW. On retrouve également des ESC intégrés avec 5A en continu flashé sous budget. Le RX en série, donc ça c'est uniquement pour la version 5.1, la version du champion, en ELRS 2.4. Pour résumer, la version 4.1 emporte l'AFC, l'ESC, une puce OSD et le VTX. Et la version 5.1, en plus de la FC-ESC, VTX, la puce OSD, vous rajoutez le RX. Le Flight Controller est flashé sous Betaflight et le micro-logiciel ESC BB51 en budget. Il y a une légère différence de poids entre les versions. Si vous êtes sur la version 4 1, donc pour la version Freestyle du R65 et la version Racing du R65, vous êtes sur un poids de 2,9 grammes pour la FC. Et cette version de FC, 5 en 1, vous êtes sur un poids de 3,6 grammes. La grosse différence visuelle, c'est que vous n'aurez pas de RX au niveau de la canopie, elle est directement intégrée sur la version champion. Et vous pouvez également voir que la version champion prend la totalité du châssis au niveau de l'IO. Par contre, sur la version 81, vous allez voir que l'IO est un peu plus petite. Elle ne fait pas un losange complet. Au niveau du poids général, la version champion est annoncée à 17,4 grammes et le R65 dans les deux autres versions est annoncé à 17,1 grammes. Le R65 reste aux alentours des 17 grammes. On va vérifier tout de suite le poids voilà, sur ma balance. Je suis entre 17 et 18 grammes. C'est pas une balance hyper précise. Elle est vraiment au gramme près. Le poids annoncé est correct. On a fait le tour des caractéristiques techniques. Je vais vous donner mon ressenti. La version champion, déjà j'aime bien le coloris. Ça lui donne un petit air agressif. Comme le R75, mon petit reproche, c'est que le ressenti fait très light. Je le répète, bien sûr, c'est le but du quad d'être très light. Est-ce que dans la durée, le poids ne sera pas un handicap au niveau résistance et durabilité c'est un choix de la part de Beta FPV. Pour avoir des quads hyper réactifs et bien équilibrés, ils descendent le poids au minimum. La canopie me paraît toujours assez légère et exposée. C'est un peu le reproche que j'ai fait également au R75. Mais ça reste dans la philosophie gagner du poids. Donc il faudra toujours faire un petit peu attention en vendant les volets que vos fils ne soient pas coupés que l'antenne ne soit pas légèrement défaite si vous avez subi des chocs avec. Le point positif de l'encanopie c'est qu'elle est réglable. Vous pouvez aller de 25 à 50 degrés. Ça, c'est top pour la race. On voit que celui-ci, avec les KV de moteur, est très orienté race. Je vais également le tester en freestyle, voir les qualités de ce quad. La qualité perçue, ça reste du bêta FPV. C'est tout de même bien fini. Je pense que les hélices auront tendance à pas mal se manger avec les chocs, car le châssis est très léger et vraiment souple. Ça apporte de la résistance à la déchirure, mais euh, c'est sûr que si vous prenez un choc sur le côté, de suite ça va les toucher un petit peu les hélices et risque de se marquer assez vite, en plus de marquer le châssis. Bon, ça reste un petit détail. Il existe des pièces pour remplacer ces châssis dans différents coloris. La qualité de construction est plutôt au rendez-vous. On voit que les moteurs sont directement soudés. Ça c'est un point positif. Je que toujours sur le petit connecteur. Je trouve dommage qu'on soit obligé d'avoir un hub de connexion pour pouvoir connecter à Betaflight. Bon, ça fait partie de la philosophie de cette carte pour gagner du poids. On reste sur un Tiny Whoop de plutôt bonne facture et de bonne qualité avec un bon rapport qualité-prix. Maintenant, qu'en est-il de ces qualités de vol On va voir tout ça dans le suite de la vidéo. Avant de passer sur les qualités en vol. On va déjà s'occuper de binder le R65 et faire la mise en route. C'est un passage qui est plutôt destiné aux débutants. Si vous souhaitez sauter ce passage, vous aurez le timecode en bas en dessous de la vidéo. On va commencer par binder le quad. Pour ça, déjà, il faut vous créer un modèle. Si vous ne savez pas comment faire, j'ai une vidéo qui est dédiée à la création de modèles spécialement pour les drones FPV sur la chaîne. Une fois que vous avez créé votre modèle, on peut mettre la radio de côté. On va connecter le quad. On va utiliser le hub qui est fourni. On le branche comme ceci. On le branche à l'arrière du quad. Attention au sens de branchement. Et on va alimenter notre quad en USB. Vous pouvez aussi faire avec une batterie. Le but c'est d'alimenter le RX. À l'arrière, on voit que le RX est en mode bind, il clignote. Si jamais vous c'est pas le cas, vous pouvez brancher et débrancher trois fois la batterie de suite. Sur ma radio, sur le modèle que je viens de créer, je vais aller dans système, dans Express LRS et on va aller dans le bind. On lance le bind et voilà, le quad est bindé. Ça c'est une première solution. Deuxième solution. Ça se fait sur l'ordinateur. Vous branchez votre quad en USB. Vous allez dans Betaflight. On connecte le quad. On va aller dans l'onglet récepteur. Et à partir de Betaflight 4.5, vous pouvez faire directement appairer le récepteur. Faites appairer le récepteur. Là, vous voyez que sur ma radio, j'ai perdu la télémétrie. Je fais retour. Hop, système, j'ai perdu le bind comme je l'ai lancé depuis Betaflight. Je fais express LRS. Je relance le bind. Télémétrie et là, il s'est reconnecté. Donc ça, c'est la deuxième solution pour binder le quad. Vous voyez, je vous montre à l'écran que mon quad est bien bindé. La LED verte est fixe. Donc je vous ai montré deux solutions directement via le quad. Soit en passant par Betafight. Il y a encore une troisième solution. Ça va être en passant par le LRS, l'Express LRS et en train une binding phrase. Moi, c'est celle que j'utilise généralement. Donc on va aller voir ça dans Express LRS. Troisième solution, on peut rentrer directement sa banding phrase dans Express LRS. Pour ça, on met son portable en mode Wi-Fi. On se connecte soit à l'ordinateur, soit sur son téléphone. Je vous rappelle, le mot de passe, c'est Express LRS en minuscule. On va sur son navigateur, on rentre dans Express LRS, On rentre directement sa banding phrase ici. Et ensuite, on fait Save. Moi je ne le fais pas, je ne vais pas la modifier, mais c'est votre troisième solution pour binder via la binding phrase. Et enfin la quatrième solution, on va à la fois mettre à jour le récepteur et rentrer la binding phrase dans le configurateur, cette fois d'ExpressLRS. Avant de faire ça, je vais vouloir récupérer la cible de mon récepteur. Alors, ça, dans la mise à jour de ELRS, la dernière vidéo que j'ai faite, je vous explique comment faire. Je mets mon quad en mode Wi-Fi. Sur mon ordinateur, je vais aller dans le Wi-Fi. J'ai mon réseau Express LRS. Je vais le connecter. Si vous demandez le mot de passe, c'est Express LRS tout en minuscule. Et une fois sur connecté, je vais sur la page Express LRS 10.0.0.1 dans mon navigateur. Et ici, j'ai les infos. Donc la cible, moi, ce sera FPV 2.4 GHz IO RX. Je vais m'en servir pour à la fois mettre à jour le récepteur et le mettre à jour avec ma binding phrase pour me binder au quad directement à l'aide de ma binding phrase. Donc, je vais mettre à jour directement le LRS du quad. J'ouvre mon configurateur Express LRS. Je connecte le quad en USB. Je choisis ma version. Moi, je vais rester sur la 3.5.1, bien qu'il y a la 3.5.2 qui est sortie. Bon, allez, je vais mettre en 3.5.2, ça change rien. Catégorie de l'appareil on est sur du bêta FPV 2.4 GHz. L'appareil, c'est l'IO RX. Je vais faire un Beta Flight Pass Flow. C'est encore une autre méthode par rapport à ma vidéo d'avant. Donc, je vérifie mes paramètres. Moi, je rentre ma, ma binding phrase et ça me permettra que tous mes quads qui sont équipés de cette binding phrase se connectent directement à ma radio qui a également la binding phrase pour reconnaître. Bon, le reste, je vous laisse vérifier. Nom de domaine européen ou ICM. Normalement, on est en domaine européen. Je sélectionne le port série et je fais mettre à jour. Il est passé par Betaflight, il m'a à la fois mis à jour le récepteur et il a rentré ma binding phrase pour me connecter directement à ma radio qui est équipée de la même binding phrase. Et je vais allumer la radio et vous allez voir que normalement, elle va directement se connecter. Vous voyez que là, j'ai réallumé la radio, je connecte le quad en USB et directement, il se connecte à ma radio via la binding phrase. Donc voilà, vous avez avec ELRS plusieurs possibilités pour binder votre quad. Si je vous ai montré tout ça, c'est parce que dans la précédente vidéo du R75, on m'a demandé comment binder le quad. Je vous ai montré quatre solutions à vous de choisir celle qui vous convient. On va passer à la suite de la configuration du R65 pour pouvoir aller voler. Maintenant que le quad se bind, je vais pouvoir régler mon ELRS. Donc, j'alimente juste le quad en USB. Pareil, je reviens dans mon ELRS. En packet rate, je vais le régler en 250 Hz. Si vous voulez plus de portée, alors ça, on verra pendant les tests, je serai peut-être amené à, à baisser. Pour avoir un peu plus de portée, vous pouvez le mettre en 150 Hz ou en, encore en 50 Hz pour vraiment avoir la portée maximum. Moi, je vais le laisser sur 250 Hz. On va privilégier la latence pour faire un petit peu de race. On, peut, on pourrait même monter à 500 Hz. Mais bon, là, je, je perdrais vraiment en, en portée. Donc, je vais laisser en 250 Hz pour tester. Là, vous réglez votre puissance d'émission. Donc, max power 25 mW. Respecter la norme française, on se met en 25 milliwatts. Si vous volez à l'étranger et que vous pouvez mettre une puissance d'émission illimitée, c'est ici que ça se règle. Bon, dynamic power. C'est inutile quand vous êtes en 25 mW, vous pouvez le mettre sur off. Si vous voulez à l'étranger, vous pouvez faire un réglage en 1000 mW et en dynamic power on, enfin sur dynamic, comme ça il ira de 25 mW et il peut aller jusqu'à 1000 mW. Bon je vais le repasser en 25 mW. Donc voilà juste les petits réglages ELRS. Ça, je vous le montrais parce que c'est utile dans BetaFlight pour télécharger le, le preset ELRS. Ce qui compte surtout pour choisir le preset Betaflight, ça va être le packet rate que vous choisissez. Donc, moi, je choisis 250 Hz. Ça, c'est bon, on va passer sur Betaflight. Quand votre quad est bindé, vous ouvrez Betaflight, vous connectez le quad. Moi, j'ai mis un système de refroidissement parce qu'il chauffe un petit peu. Une fois le quad connecté, on va pouvoir vérifier les réglages. Déjà, dans installation, bon, ça. Je ne vais pas y toucher. Je vais commencer par le preset. Vu que j'ai mis euh, mon Express LRS en 250 Hz, je vais rentrer le preset Express LRS 250 Hz. Alors, je vais le mettre euh, en freestyle. Euh, C'est du série. Et le reste, je laisse comme ça. On fait choisir, enregistrer et redémarrer. Voilà, comme ça, il m'a appliqué un premier preset pour les réglages. Je vais aller dans configuration. Alors. Moi, je désactive l'air mode parce que je me le règle sur mes modes. Mais ça, c'est personnel. Donc, euh, là, vous ne touchez pas. Normalement, on est bon. Et le reste, hop, je déconnecte juste ça pour ne pas avoir de bip USB. Alimentation et batterie, tension minimum par élément, tension max par élément. Ok, tension d'avertissement, 3,45. Non, ça me paraît bien. Ça, on ne va pas y toucher pour l'instant. Réglage des PID. Voilà, on voit qu'il y a eu des PID qui ont été... Régler dessus. Alors moi je vais faire euh, la review stock, le vol stock. Tout du moins au niveau des PID et des réglages de filtre. Ça on n'y touche pas. Le but c'est de tester le quad stock. Par contre je vais rentrer bien sûr mes rates. Les rates moi je me les rentre directement euh, en ligne de commande. Ça vous faites, euh, vous pouvez rentrer directement vos rates euh, ici. Vous mettez les rates que vous souhaitez utiliser. Si vous ne savez pas encore, pour l'instant ne touchez pas aux rates. Voler avec des rates euh, beta, flight stock. Ça ira très bien. Donc, tant que je suis dans les lignes de commande, je vais rentrer tous mes auxiliaires. Les auxiliaires, c'est pour euh, les réglages de l'onglet mode. Voilà, je me rentre tous mes auxiliaires. Ça, je me les récupère euh, dans notre quad. Dans le CLI, je me rentrer directement tout mon OSD et je vais rentrer mon profil rate. Voilà, j'ai rentré mon OSD, mon profil rate euh, et euh, mes switches. Je fais un save. Alors attention, avant de faire cette opération, je vous conseille toujours de faire une sauvegarde stock des paramètres de votre quad, que vous puissiez les récupérer si a besoin. Là, je sais ce que je fais, je vais faire une sauvegarde après. Avant de toucher quoi que ce soit, même de rentrer un preset ou quoi que ce soit, vous faites une sauvegarde des paramètres. Voilà, j'ai rentré mes paramètres rate. Profil rate 1, profil rate 2, ok. Ça, c'est mon profil de rate pour la race et mon profil de rate pour le freestyle. Donc on est bien. Alors, il y a de l'expo sur ces rates. Euh, je verrai comment ils se comportent en vol. Peut-être que je, je mettrai moins d'expo ou que j'enlèverai. Ça, je verrai plus tard. Donc, une fois que vous avez rentré vos rates, là, on est bon. Niveau récepteur, moi, j'active la télémétrie. Vous vérifiez vos modes. Donc, ça, moi, les, je me suis directement rentré par la commande CLI mais c'est pareil, vous pouvez paramétrer vos modes ici, je ne vais pas rentrer en détail vraiment dans toutes les configurations Betaflight, on garde juste l'essentiel pour faire voler ce quad vous personnalisez votre OSD ici également moi c'est pareil je l'ai personnalisé par les lignes de code CLI le dernier réglage ça va être pour l'émetteur vidéo, donc vous pouvez régler ici votre puissance comme vous avez envie je me mets on jusqu'au premier armement et là, ici, vous pouvez régler directement votre puissance. Vous Voyez qu'on peut aller de 25 à 400 milliwatts si on a envie. Bon, pour rester en France, on reste en 25. Et vous faites enregistrer. Je vais également régler mes alertes OSD. Je vais régler l'alerte OSD pour le, pour le RSSI DBM. C'est ce que j'utilise. Ce qu'il faut utiliser en LRS. Donc ça, ça dépend de à combien vous avez regard, réglé. Les Hertz de votre LRS. Entre parenthèses, dans le LUA, par exemple, vous réglez à 250 Hertz, vous avez marqué la limite que ça peut atteindre. Moi, je sais qu'en 250 Hertz, c'est moins 108. Je, la l'arme, je la retranche, je retranche 10. Donc, je vais la régler à moins 98. Comme ça, j'aurai une alerte euh, RSSI-DBM. Voilà. Et je règle également mon alerte LQ. LQ, c'est le Link Quality. Et ça, je me la règle à 60. Donc euh, vous avez les lignes de commande là si vous voulez le faire. 7 OSD RSSI DBM alarme égale moins 98 pour l'alarme RSSI DBM et euh, pour l'alarme OSD LQ c'est 7 OSD Link Quality alarme. Vous faites save, il redémarre. Donc ensuite vous refaites le tour, vous vérifiez que vous avez bien tout configuré, qu'il est prêt à voler, vous testez vos switches, voir comment c'est. Tout ce qui est le reste, fréquence de la boucle PID, etc. J'y touche pas. Le réglage des moteurs, j'y touche pas. Je, je laisse par défaut. On voit qu'il est en prop out d'ailleurs. Et une fois que tout ça c'est fait, vous refaites une sauvegarde. Donc vous allez dans ligne de commande, vous tapez diff all. Et ça, vous le vous sous et vous vous créez un dossier pour euh, avoir tout ce qu'il faut. Donc vous faites deux sauvegardes, une avant de toucher quoi que ce soit, comme ça vous avez tout sauvegardé, et vous faites une première sauvegarde une fois que vous avez enregistré vos paramètres. Et là on est prêt à aller voler et tester enfin le quad. Juste pour info, je fais toutes ces actions, j'ai le quad qui refroidit, j'ai mis un système, un petit système de ventilateur par dessus le quad pendant que j'ai effectué toutes les actions sur BetaFlight. On a terminé avec le paramétrage plutôt destiné aux débutants, bang des paramétrages Betaflight. Euh, ça a été assez rapide et sommaire, c'est surtout pour vous montrer euh, ce qu'on touche. On règle, euh, on règle ses PID, on règle son OSD, on règle ses modes, on règle son preset et enfin euh, on fait une sauvegarde et euh, on est bon, on est prêt à aller voler. Une fois que le code est paramétré, il reste qu'une chose à faire, c'est aller le tester enfin en vol. Allez, c'est parti pour les tests en vol. Pour les tests en vol, déjà je tiens à m'excuser pour la qualité vidéo qui n'est pas au rendez-vous, et encore, les premiers tests, ça peut aller, mais vous allez constater que ça se dégrade encore plus sur les autres vols. Sur ce premier vol, c'est la lumière qui m'a fait défaut, et le petit capteur de la C03, et avec la faible plage dynamique, les images sont dures à exploiter. Sur ce premier vol, j'ai pris en main l'R65 avec des figures simples, et on peut voir que la prise en main est plutôt facile à l'extérieur. Le quad est stable et réactif, avec un tune bien équilibré. Il n'y a pas de rebond sur les rôles ou pitch vif. Les PID sont bien réglés. Et la réserve de puissance avec les hauts KV des moteurs permet d'avoir une réserve de gaz et de reprise de gaz bien conséquente. En intérieur, les choses se compliquent un petit peu, surtout avec cette version qui est la plus puissante des R65. Il faut avoir une gestion des gaz ultra précise, ce qui demandera un peu plus d'expérience. Il est très sensible sur la reprise de gaz et plutôt nerveux. Je l'ai atténué en mettant de l'expo sur les gaz. Je vous montrerai les réglages en fin de vol. Le tilt, qui peut être réglé au minimum à 25 degrés, n'aide pas à la maîtrise et on a vite tendance à prendre de la survitesse. Une fois qu'on commence à l'appréhender, on s'amuse beaucoup et le plaisir est bien présent. Les trajectoires sont précises, il est bien ancré dans l'air, super maniable et les changements de trajectoire vives ne le déstabilisent pas. Il passe partout, sa petite taille est forcément un atout. Pour les vols en intérieur, j'ai utilisé mes rates de race et désactivé l'air mode. Je reste en accro, le but c'est de s'amuser et bosser des trajectoires. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mal. Sur les virages à gauche, j'ai du taf pour cet hiver. Ensuite, je suis repassé sur des tests en extérieur, en commençant par un test de portée. Je suis en ELRS 250 Hz pour la latence, et là je suis allé à plus de 250 mètres sans problème, ce qui est largement suffisant pour un Tiny Whoop. Le récepteur interne de l'IO5 en 1 est bien meilleur que le récepteur qu'il monte sur l'R75 ou l'R65 en version avec RX séparé. J'ai fait demi-tour quand la vidéo commençait à faiblir, mais vous constaterez que j'ai du gelo et une forte dégradation durant Vidéo sur ces tests freestyle. En fait, j'ai pas mal craché avec le quad et j'ai dégradé mon VTX ou mon antenne. et En plus, sur ce vol, la canopie est cassée, ce qui engendre des accoups à, à la caméra, le jello et la forte dégradation du rendu vidéo. Mais pas des qualités de vol. Malheureusement, j'ai vu que la canopie était cassée au début de ce vol et je n'avais rien pour la réparer avec moi. Mais ben, extérieur, avec une légère brise, ce quad est incroyable. Les tiny n'ont plus rien à envier en plaisir de pilotage avec 5 pouces. Je m'amuse à faire du freestyle, et même si dans ce cas, le rendu de la caméra a altéré ma précision et perturbé mes réactions, j'ai kiffé. C'est vif, réactif, précis, loqué. Le contrôle des gaz et la légèreté qui sont dur à apprendre en intérieur sont un atout en espace dégagé. On arrive à avoir un super contrôle que ce soit en maintien, ras du sol, réserve de gaz pour des reprises en sortie de dive et être plus précis. Ce qui manque cruellement pour certaines figures, c'est l'inertie des quads lourds, avec laquelle on joue en freestyle et que j'aime ressentir avec mes 5 pouces. Mais ce n'est qu'un d'une vingtaine de grammes en vol, et on ne pourra bien sûr pas retrouver cette sensation particulière. Et ça demande d'anticiper ses dives, ses power loops, etc., pour adapter sa trajectoire. Mis à part ça, les sensations sont là, et quel pied de piloter cette R65! Je le trouve mieux que la version R75 personnellement. Par contre, malgré ses énormes qualités, il y a un défaut majeur, c'est la consommation dans cet exercice. Et notamment les pics de conso instantanés qui fait que la batterie sac direct. Dès qu'on met des gros gaz, même batterie pleine et neuve, on a des grosses chutes de tension. Je pense qu'on arrive à la limite niveau KV sur ce tiny et qu'il est peut-être surmotorisé. Du coup, les temps de vol sont loin d'être ceux annoncés par Beta FPV. En freestyle, j'ai volé environ 2 minutes, grand max, en 300 mAh en batterie et en descendant la batterie à la limite vraiment basse. En intérieur, sur les vols plus cool, j'arrive à 3 minutes, mais maximum. Pour ceux que ça intéresse, voici quelques réglages que j'ai effectués après mes premiers vols. Déjà, j'ai un petit peu baissé les alarmes. J'ai réglé l'échelle, qui me paraissait pas trop correcte d'après ce que j'ai testé. Donc, j'ai l'échelle à 113. Au niveau des rates, là vous avez mes rates freestyle que j'utilise à la fois sur mon 5 pouces et sur celui-ci également. J'ai mis de l'expo finalement avec un centre de gaz à 0.30 et une expo gas à 0.20, ça nous donne un meilleur contrôle des gaz. Et j'ai fait pareil sur mon profil rate de race où là j'ai des valeurs de rate max un peu moins élevées et j'ai mis exactement la même expo, un centre gas à 0.30, expo gas de 0.20. Quel banger, c'est R65. J'ai vraiment kiffé. Énormément de qualité de vol, de sensations et de plaisir. C'est un tiny à vraiment avoir dans sa flotte. Il vole super bien, a de nombreux atouts comme la maniabilité, la puissance, la grande polyvalence. Vous pouvez faire de la race, du freestyle, du freeride, de l'intérieur, de l'extérieur. Il passe partout, il est vite mis en route et vous pouvez voler quasiment partout, là où c'est autorisé bien sûr. Il est super silencieux, vous passerez inaperçu, ça dérangera ni vos voisins, ni votre entourage. C'est l'idéal pour voler, pour s'éclater, mais aussi pour l'éclater. Niveau durabilité, je peux vous dire que je l'ai vraiment poussé dans ses limites. Et même au-delà, pour cette review. J'ai eu beaucoup de crashs, contre des murs. Contre le sol, du béton, il a même fini sur mon toit en tentant un peu Warloop, un peu osé et pas mal de crash dans l'herbe mouillée. Pour l'instant, il est toujours reparti. Attention en extérieur, on a vite fait de le perdre et passé plusieurs minutes à le chercher après un crash. Je parle en connaissance de cause. Au final, j'ai fini par sérieusement abîmer le mien au niveau du châssis, de l'hélice, de la canopie. Il vole toujours, mais je vais euh, tout de même le réparer pour euh, pouvoir en profiter cet hiver. Vous pouvez voir qu'il a pas mal subi pendant les crashs. J'ai les hélices qui se sont bien marquées, toutes les hélices. L'intérieur de la frame qui s'est marqué. Ici, je commence à avoir une amorce de cassure. La canopie qui a bien morflé. Elle est rayée ici, la caméra n'a rien, mais la canopie a bien morflé et surtout, elle est cassée à ce niveau, ce qui m'a entraîné pas mal de vibrations et de jello. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir, elle s'est cassée juste en dessous. L'antenne, je ne sais pas trop si elle a morflé, mais je l'ai retrouvée plusieurs fois bien abaissée dans la canopie. Et l'antenne du RX, ici aussi, qu'il va falloir que je remette en place comme il faut. J'ai un petit peu de boulot et de pièces à changer pour pouvoir voler cet hiver avec. L'électronique est solide, je lui ai fait subir pas mal de turtle mode, de full gas énervé. Et il a volé même avec l'humidité qu'il a récoltée lors de ses crashes dans l'herbe humide. Il n'y a pas vraiment de gros défauts, si ce n'est la caméra qui est pas folle, niveau qualité, niveau plage dynamique, et la grosse consommation, surtout en pic, qui réduit fortement les temps de vol annoncés. Je ne sais pas comment ils font pour euh, estimer un temps de vol de 4 minutes. Vos batteries vont vite devenir des consommables avec lui. Est-ce qu'au final, le meilleur compromis, ce serait pas de prendre la version Race, qui a un peu moins de kV moteur que la version Champion, qui elle, est limite un peu surmotorisée Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À qui s'adresse-t-il Finalement, à tout le monde, que vous soyez un pilote débutant ou un pilote expérimenté. Pour les débutants, en le bridant un petit peu au niveau de l'accélérateur, vous aurez de quoi progresser et les pilotes expérimentés pourront vraiment se faire plaisir. C'est vraiment un must-have. Pour un prix aux alentours de 110 euros en France et un peu moins de 100 euros chez Beta FPV, je vous promets de longues heures de plaisir et de fun pour cet hiver. Je vous mets des liens affiliés en description de cette vidéo. Vous m'aidez et aidez la chaîne en passant par ces liens. Pour vous, ça vous coûte rien, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. La version champion n'est plus disponible, mais Beta FPV m'a laissé sous-entendre qu'ils suivaient de près le marché. Ils ont été un petit peu surpris du succès de cette série. Tu m'étonnes en même temps, c'est un super quad. Donc consultez régulièrement la page produit du R65, ça ne m'étonnerait pas qu'il sorte une version équivalente. Pour le futur, si nous nous sortons le même genre de banger en numérique, bah, je signe de suite. Peut-être pour l'hiver 2025. J'espère que cette review vous aura plu. Elle a été très difficile à produire. Pour beaucoup de raisons. J'ai reçu le produit en retard, la météo compliquée, le délai pour la sortir, euh, des soucis en post-production avec mon ordinateur et j'en passe. J'ai essayé d'être le plus complet et honnête possible dans cette vidéo. J'ai aussi essayé de m'adresser à tout le monde, que tu sois débutant ou bien plus rodé. J'aimerais avoir votre avis sur l'R65 en commentaire, que vous souhaitiez l'acquérir ou que vous le possédiez déjà. N'hésitez pas à en commenter et me dire ce que vous en pensez. Quelques vidéos sur l'R65 que je vais vous conseiller. Il y a la review de David sur Culture FPV. Qui est vraiment bien complète. Et si vous souhaitez aller un peu plus loin dans les réglages de l'adaptation d'une canopie personnalisée, par exemple, toucher un petit peu aux réglages de Betaflight et des ESC, GG sur FPV a sorti une review hyper complète. Je vous conseille d'aller les voir si ça vous intéresse. Merci à vous d'avoir regardé cette longue vidéo jusqu'au bout. D'ailleurs, si vous êtes encore là, mettez en commentaire crash test réussi. On va faire un petit jeu comme ça. On va voir euh, qui c'est qui regarde des vidéos jusqu'au bout. Je remercie également BetaFPV pour leur confiance et de m'avoir envoyé ce drone à tester. Vous retrouverez d'ailleurs mes liens affiliés BetaFPV en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de liker, et partager et commenter. Quant à moi, il ne me reste qu'une seule chose à faire, c'est vous souhaiter un bon vol. Allez, ciao